L'objectif de l'activité d'aujourd'hui à Ruyigui, c'était d'avoir une manifestation pour la journée mondiale de la paix. C'était très, très important pour le consortium Tuyongé d'organiser cette journée, puisque évidemment toutes les activités qui sont menées dans le cadre du consortium visent à travailler sur le bien vivre ensemble, sur le mieux vivre ensemble et sur la consolidation de la paix au Burundi. C'était important pour nous d'être ici, puisque l'un des vecteurs aussi de cohésion sociale, en tout cas pour Plein International, mais également pour le consortium, c'est le sport. Et on a vu aujourd'hui avec cette belle manifestation que le sport rassemblait énormément, rassemblait des enfants, des garçons, des filles. On voit qu'il y a eu aussi beaucoup de filles qui ont participé. Pour nous, c'est très important d'avoir beaucoup de filles. Alors peut-être que Francine y participe et c'est très bien. On a vu qu'il y avait Charles aussi, cet ancien athlète burundais qui fait la fierté du Burundi, qui était là. Donc toutes ces actions qui font qu'ensemble des enfants et peut-être aussi des adultes puissent courir pour la paix aujourd'hui, c'était très important pour nous. L'impact aujourd'hui, il est mesurable d'une part par les participations de filles qui augmentent dans les activités, et c'est encore une fois quelque chose d'important. L'impact également, il est sur parfois l'identification d'enfants qui étaient déscolarisés, qu'on a permis d'identifier et de faire retourner le chemin de l'école. Pour nous, c'est aussi important puisque les enjeux d'éducation sont prioritaires pour le consortium, mais pour Plein International également en particulier. Et ces impacts-là, on les sent au quotidien, puisque par le biais d'activités, notamment de sociosport, on arrive à faire revenir sur les bancs de l'école des enfants qui n'y étaient plus. Donc, si vous voulez, c'est tant qu'on peut faire revenir à l'école des enfants par le biais d'activités sociosportives et autres, pour nous, c'est gagné, mais le combat, il est au quotidien, puisqu'on est encore sur le terrain, que ce soit ici à Ruyigui, à Bujumbura ou dans d'autres provinces. Et donc on gagnera le combat ensemble. On a vu qu'il y avait des représentants des autorités locales qui étaient là. Il y avait aussi des représentants du ministère de l'Éducation qui étaient là, et on leur remercie, puisque c'est ensemble qu'on y arrivera. On a besoin de toutes les énergies.